Vous êtes prêts? Ben je klaar? Toi aussi, t'en as marre du temps dégueulasse? Alors viens avec moi. ¿Están listos? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Passagers et passagères, votre attention s'il vous plaît. La croisière littéraire au féminin est sur le point de partir. Veuillez embarquer. Attention, attention, nous partons dans quelques minutes. Et c'est parti! Bienvenue dans ce challenge, la croisière littéraire au féminin, que j'ai décidé de créer, qui est donc un challenge estival, qui se tiendra du 1er juin au 31 août. J'avais donc commencé à lancer ce challenge avec des lectures communes mensuelles. On m'a demandé de l'organiser aussi tout au long de l'été avec un challenge avec des menus et des paliers. C'est chose faite, je vous ai écouté, le challenge est là. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi la croisière littéraire au féminin, a pour but de vous faire sortir peut-être de votre zone de confort ou pas, en tout cas moi ça va me faire un petit peu sortir de ma zone de confort, en découvrant des autrices du monde entier. Donc le but ici c'est de lire un maximum d'autrices qui viennent d'un autre pays que le vôtre. Donc, si vous êtes français, les écrivaines françaises ne passeront pas dans le challenge. Bon, allez, vous avez droit à quelques jokers, mais voilà, faut pas en placer trop. Attention, hein, les petits Belges et tout ça, essayez de sortir aussi un peu, parce que, voilà, par exemple, pour les Belges, oui, la France n'est pas, c'est un autre pays, mais c'est trop facile. Essayez un peu de pimenter et de vraiment élargir vos horizons. C'est le but vraiment principal de ce challenge, c'est de découvrir vraiment des autrices dont on n'a peut-être pas entendu parler, des autrices qui viennent d'autres horizons, d'autres cultures, et donc de permettre d'élargir vraiment notre culture générale, de découvrir de nouveaux pays, de découvrir des coutumes, voilà, vraiment d'élargir nos horizons. Donc voilà, c'est parti. Donc ici j'ai préparé trois menus. Le premier menu s'appelle La croisière s'amuse. Là maintenant, mettez-vous tous la chanson en tête, j'attends que vous vous mettiez play, hop, et on danse sur la musique. J'aurais pas le droit de la mettre parce que c'est sûrement pas libre de droit. Donc évidemment, la croisière s'amuse, c'était un menu indispensable pour cette croisière. J'ai vraiment fait un peu des menus qui reposaient sur les livres et sur la croisière. Donc la première sous-catégorie de ce menu est, vous prendrez bien, un petit rafraîchissement. Imaginez-vous sur votre transat, quelqu'un vient, vous êtes en train de vous dorer au soleil, et vient vers vous, vous proposer un petit rafraîchissement. Dans cette sous-catégorie, j'ai placé comme mot-clé froid, pluie et thriller. Vraiment ici, dans toutes les sous-catégories et tous les menus que je vais vous proposer, vous pouvez jouer avec les titres, vous pouvez jouer avec les mots que je vais donner, les mots-clés. Vraiment, voilà, c'est large, hein. Pluie, vous pouvez prendre un synonyme de pluie, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas venir contrôler si tous les livres rentrent dans les menus. La deuxième sous-catégorie, soirée disco. Bah oui, parce que sur les croisières, on a des soirées à thème tous les soirs. Soirée disco, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette sous-catégorie? Le passé, la musique et la danse. Et enfin, dernière catégorie de ce menu, mal de mer. Parce que oui, malheureusement, on ne se sent pas tous
bien spécialement sur un bateau. Dans cette sous-catégorie, j'y ai placé les mots-clés maladie, sortir de sa zone de confort et féminisme, parce qu'on sait tous que le féminisme peut donner la nausée à certaines personnes. Le deuxième menu s'inspire, prend le nom directement, d'un de mes romans préférés et qui est parfait pour cette croisière littéraire au féminin, vu qu'il aborde plusieurs pays et surtout plusieurs cultures. C'est Mange, Prie, Aime. Pour chaque sous-catégorie, j'ai été reprendre des citations issues soit du bouquin, soit du film, qui est aussi un de mes films préférés. La première est issue directement du bouquin, je vais vous la lire directement. « J'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza. C'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse. » Elle est aussi dans le film, mais de manière plus courte. Ici, du coup, les mots-clés sont nourriture et Italie. C'est tout. La deuxième sous-catégorie, ceux qui connaissent Mange, Prie, Aime reconnaîtront immédiatement cette citation, souris avec ton cœur. Là, on y placera du feel good, de la détente et l'Indonésie. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, je vais de nouveau vous lire la petite citation. L'équilibre, c'est de n'autoriser personne à t'aimer, moins que tu ne t'aimes toi. Célèbre phrase également. Là, on y placera de la romance et du développement personnel. Et enfin, le dernier menu. Là, il y aura 4 sous-catégories. Il s'intitule Tour du monde en un jour. On va faire le tour du monde en une journée. La toute première sous-catégorie, c'est Salutations au soleil. On se réveille le matin en douceur avec un petit peu de yoga pour vraiment se mettre dans l'ambiance des vacances. Et là-dedans, on va y placer l'Inde, le soleil, la chaleur. La deuxième sous-catégorie s'intitule barbecue. Bah oui, il faut bien manger à midi. Donc, on va s'installer tous ensemble autour d'un barbecue. C'est une ambiance familiale, une ambiance réconfortante, une bonne ambiance, voilà, de bouffe, de musique, plein d'amis, voilà, une bonne ambiance sur le bateau. Là-dedans, j'ai mis Amérique et Australie, forcément, pour les barbecues. Amérique, de nouveau, vous pouvez le prendre vraiment au sens large. Donc, pas seulement les États-Unis, ça peut être l'Amérique latine, le Canada, voilà, vraiment, sens large. Donc, Amérique, Australie, amitié, famille et lecture commune. D'ailleurs, en parlant de lecture commune, vous pouvez toujours évidemment nous rejoindre dans le groupe, donc le Croisière littéraire au féminin, où j'organise depuis le mois de mai, donc ce mois-ci quoi, des lectures communes, où là j'impose en fait un livre par mois. On a déjà installé une liste de 6 livres, je pense. Ce mois-ci on lisait Fleurs de neige. Voilà, du coup moi d'office dans lecture commune, ce sera facile pour moi de caser quelque chose dans cette catégorie. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Vous pouvez nous rejoindre en cours de route, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un challenge à part, et là, maintenant, c'est vraiment le challenge qui se concentre sur l'été. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est l'heure du thé. On va y aborder ici l'Asie, le Royaume-Uni, la relaxation et la royauté. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu, on va partir à la chasse aux aurores boréales. Il fait noir, il fait sombre, c'est le moment propice pour essayer de découvrir ces phénomènes magnifiques, toujours bien installés sur notre bateau. Dans ce menu-là, on va y aborder les pays nordiques, l'aventure et le nature writing. J'espère que vous êtes également munis de votre passeport, parce qu'il sera nécessaire pour rentrer dans certains pays. Ce passeport vous permettra, au cours de ce voyage, de valider 3 cachets, 3 types d'étapes dans ce passeport. La première étape, le premier palier, est validé. Ce passeport sera délivré si vous complétez un menu complet, donc un menu avec toutes les sous-catégories. Vous serez alors un touriste. Deuxième étape, deuxième palier, là vous devez valider 2 menus complets et vous serez un globetrotteur. Donc vous aurez parcouru le monde. Et enfin, la catégorie, l'étape, le palier ultime pour avoir le passeport de rêve, c'est de valider 3 menus, les 3 menus complets, et là, vous serez un explorateur, tel Indiana Jones. C'est vraiment l'étape ultime, le Saint Graal à obtenir, cette petite carte d'explorateur qui vous permettra d'avoir validé absolument tout le challenge. Il est trop beau, hein, mon porte-passeport, je sais, ne soyez pas jaloux.
Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du challenge. J'espère que j'ai tout dit. J'ai plein de trucs dans ma tête qui trottent, mais voilà, je suis sûre que j'aurai oublié les choses. Dans tous les cas, tout sera en barre d'infos. Je vais créer de ce pas un groupe Facebook qui sera différent du groupe de lecture commune pour ne pas tout mélanger. Je vais l'appeler autrement, du coup, je crois que je vais l'appeler Summer Challenge. Et puis il y aura Croisière littéraire au féminin, comme ça on différencie un petit peu les deux. De toute façon, vous retrouvez le groupe Facebook en barre d'infos. Dans ce groupe Facebook, je mettrai tous les visuels que vous aurez pu voir au cours de cette vidéo. Voilà, tout sera dessus, je réexpliquerai tout. Je vais vous présenter aussi ma pal pour peut-être vous inspirer pour concevoir votre propre pal. Utilisez le hashtag croisière littéraire au féminin pour qu'on puisse tous se retrouver un peu plus facilement. Voilà, pour qu'entre participants, on retrouve chacun nos pals, nos posts. Et voilà, n'hésitez pas à participer, j'espère que ce challenge vous motivera, vous mettra autant de baume au cœur que moi. Voilà, je suis surexcitée, j'ai trop hâte là maintenant d'être le 1er juin pour commencer ce challenge et j'espère vraiment que vous êtes aussi motivés que moi. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire en plus. Voilà, n'hésitez pas à partager vos pals, à m'envoyer tout ça. Et vous pouvez les partager d'ailleurs sur le groupe Facebook aussi, hein, pas d'hésitation. C'est un groupe qui sera chill, hein, ambiance vacances, etc. Sur ce, moi, avant de démarrer cette croisière, je vais faire un dernier petit plongeon dans la piscine. Et on se retrouve le 1er juin. Pour commencer cette croisière ensemble.